vous allez bien? Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver dans une vidéo haul et unboxing, mes derniers petits craquages de fin d'année avant les fêtes, avec des petites idées cadeaux, je pense, qui pourront peut-être vous intéresser, des petites idées cadeaux de dernière minute et peut-être potentiellement des petites choses que vous retrouverez soldées au mois de janvier. Donc restez bien connectés dans cette vidéo, je pense qu'il y a des bons plans pour vous. Je commence par la K-Beauty. Vous savez que j'ai des sites qui m'envoient parfois des petits produits de K-Beauty. J'ai reçu des produits de chez YesStyle ou YesStyle, je ne sais pas comment prononcer ça. Je voulais vous les montrer, c'est un petit colis surprise en mode soin. Donc j'ai hâte de glisser tout ça dans ma routine, je ne connais pas du tout les produits. Donc j'ai reçu en premier un Gold Abricot, donc un produit un peu, une crème sérum un peu radiante, éclaircissante pour avoir un teint parfait. Ça, ça m'intrigue beaucoup, donc j'ai hâte de tester, c'est de la marque Blint. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque là de la K-Beauty. On a un deuxième produit qui est sous forme de petite pipette comme ça, qui est de la marque Manio, un bifida biome complexe ampoule. Est-ce que c'est une sorte de sérum? Est-ce que... Alors là, je ne sais pas. Et sachant que rien n'est écrit vraiment en français dedans, en tout cas, ça donne une peau plus réveillée, plus hydratée, un peu comme dans un rêve, ils disent. C'est marrant de préciser comme ça. Et ils disent qu'il y a à l'intérieur 5 types de probiotiques qui sont très bons pour la peau. Donc écoutez, je vais exactement regarder ça sur le site YesStyle pour voir un petit peu comment ça se met dans la routine. Est-ce que c'est un sérum ou peut-être un soin de nuit? À voir. Celui-ci, je le connais un petit peu, de la marque Beauty of Joseon. C'est une crème SPF 50 Relief qui est à base de riz, je pense, si je ne me trompe pas, et de probiotiques. Ça, c'est plutôt cool. Alors, je l'ai déjà en stock. Je vais voir ce que j'en fais. De toute façon, les produits que je n'utilise pas, vous savez ce que ça fait. Et pour la nouvelle année, parce que là, je vous ai déjà préparé un gros colis de fin d'année. Et pour la nouvelle année, je vous préparerai aussi un autre concours. Hein, toujours, les petits je cumule, et puis je vous garde ça pour des concours. Une crème pour les yeux. Donc, on a vraiment une routine complète hein, pour une peau bien hydratée pour cet hiver. Une crème contour des yeux Mary & May Belief in Truth. Et c'est une crème à base de tranexamique acide. Alors je ne connais absolument pas, moi je ne suis pas très douée en composants. Et en glutathione. Je ne sais pas si vous connaissez, d'ailleurs si vous connaissez un petit peu plus la K-Beauty que moi, n'hésitez pas à me dire. Donc un contour des yeux. Et on a un toner, et ça c'est plutôt cool. Pareil avec 5 probiotiques à l'intérieur. 6K complexe, donc a cet effet hydratant et réhydratant et comment dire réparateur, voilà, chercher le mot. Et à base d'acide hyaluronique, c'est le Lacto Cica Smoothing Toner de la marque Oompa. Donc là, je vous ai montré les paquets, c'est vrai que j'ai pas ouvert toutes les boîtes, mais c'est un petit toner comme ça. D'ailleurs, un petit flacon assez pratique avec le petit embout ici. Très bien, ça je vais glisser dans ma routine aussi prochainement. Parce que les toners, là je suis en train d'en finir un, et pourquoi pas tester celui-ci après. Donc ça, c'était de la part de YesStyle. J'ai reçu aussi d'un autre site de K-Beauty, je vous en parle aussi souvent. De toute façon, dès que j'ai des liens ou des codes promo, je vous mets tout dans la barre d'infos. Là, c'est des produits que j'ai pu choisir sur le site Stylevana. C'est aussi de la K-Beauty et j'aime beaucoup aussi les produits qu'ils proposent. Il y a des marques en plus que j'aime beaucoup. J'ai repris sur le site Stylevana le masque pour les lèvres La Neige, qui est quand même mon masque fav de tous les temps au niveau des masques, comment dire, des masques lèvres qui vont vraiment réhydrater mes lèvres. Et je l'adore. Je l'ai terminé il y a peut-être quelques mois, mais c'est mon fils qui m'a terminé les dernières gouttes. Il s'est amusé avec mon pot. J'en ai un là pour l'instant, miniature, mais qui va bientôt se terminer. Du coup, je suis trop contente. Le Berry, je crois, hein, c'est ouais, le basique celui-ci. Vous trouvez chez Sephora, mais sur Stylevana aussi. Ça, j'en ai beaucoup entendu parler sur certaines chaînes YouTube de copines. Alors, je voulais tester. C'est de la marque Misha. C'est une sorte de base pour le visage de chez Misha. Il paraît qu'elle est vraiment top, très hydratante. Et il faut avouer que le packaging est canon. Regardez comment ça se présente. C'est canon. Et il y a la petite spatule pour prendre le produit sans mettre ses doigts dedans. Ça, j'ai hâte aussi de tester, de glisser ça pour me faire un soin. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis un peu blanche. Je suis désolée, mais j'ai utilisé un produit de chez Misha. C'est le Misha Perfect Cream BB Cream. C'est une bébé crème. Elle est un peu blanche pour moi, pourtant c'est la teinte numéro 017. Mais c'est un peu blanc encore pour moi, donc si j'ai l'occasion, je verrai s'il y a d'autres teintes encore plus foncées. Mais j'aime bien, c'est vrai que le rendu est vraiment très sympa à la fin.
Chez Sylvana, j'ai eu ce petit produit-là qui est un soin à l'avocat, un sérum à l'avocat. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les sérums. Je les utilise à une vitesse assez folle. Là, c'est de la marque Ferrum Stay. Alors, je ne connais pas. Ça se présente comme ça. Donc, pourquoi pas. Faut voir si c'est bien adapté à ma peau. Parce que moi, j'ai quand même une peau qui a tendance à être sèche. Mais les sérums, ça passe. Hein. Je pense que ça devrait être bon. C'est à base de vitamines A, E et D. De protéines aussi. Et de minéraux à l'intérieur. Ensuite, j'ai eu une crème que je n'ai pas choisie sur le site. C'est une crème SPF 50 aussi. Et qui est un solaire. Je vais pas l'utiliser pour l'instant. Je verrai si je l'utilise. C'est la marque Be Plain. Mais écoutez... Ça, alors des fois quand je n'ouvre pas, c'est parce que c'est scellé et tout. Je n'ouvre pas parce que si je les utilise pas, je préfère les garder pour vous. J'ai eu deux petits produits make-up. J'ai eu ce produit-là que j'aime beaucoup. Je vous en parle à chaque fois. Celui-ci, je l'ai commandé déjà 3 fois. C'est une sorte de gloss, mais avec cet effet eau qui est juste impressionnant. Vous voyez, c'est cette texture eau. Et quand on le met sur les lèvres, c'est vraiment la même texture eau avec des petites paillettes. C'est vraiment dingue. Il a un petit peu cet effet mentholé que moi, j'adore. Il a cet effet brillant que j'aime beaucoup. C'est la marque Rum and Sand. Rum and. Je vais y arriver. Je sais pas pourquoi je prends cet accent quand je dis les noms des marques. Et c'est les Glasting Water Gloss en teinte 00 Meteor Track. Vraiment, must have. Le mien, il est dans ma voiture en fait et je le mets tous les jours quand je reviens de chez moi et que je vais vers l'école. Donc le midi, je le mets tous les jours et je l'aime beaucoup. Alors il tire pas 50 heures hein, sur la bouche, mais il fait cet effet hydratant, repulpant. Voilà, c'est parfait, moi je trouve, pour réhydrater comme ça, une petite touch dans la voiture, c'est parfait. J'ai eu un petit liner, et ça il est trop beau le packaging, tout métallisé. C'est une teinte marronnée, et ça me plaît parce que je voulais le comparer au Better Than Sex de Too Faced en liner marron. Regardez-moi ce packaging, il est trop beau. Alors on a un côté, c'est un embout un peu pinceau mousse là comme ça pour pouvoir estomper votre liner. C'est de la marque Misha d'ailleurs, je vous ai pas dit. Et là c'est un crayon liner comme ça et c'est trop bien, je suis trop contente, un marron, il est canon, canon, canon. Regardez le packaging quoi, il est vraiment canon. Et pour finir chez Sylvana, j'ai reçu tout un lot de pinceaux, je suis trop contente parce qu'ils sont magnifiques. Encore une fois, ils sont violets mais métallisés. Alors il n'y a pas écrit le nom de la marque, il n'y a aucun indice sur la marque, donc je ne sais plus. De toute façon, j'essaierai de vous mettre les liens dans la barre d'infos. Tout était bien emballé, on a des pinceaux pour le teint. Ils sont pas extrêmement grands et ça c'est pas mal pour mettre dans une petite trousse pour emmener en vacances. Est-ce qu'ils sont doux? Oh, j'aime bien ce format là, je sais pas si vous verrez, il a un beau format là comme ça, un peu parfait pour le bronzer. Ils sont super doux, alors ils sentent, il faut les laver une fois, hein, mais ils sont très doux. Là on a le petit pinceau un peu biseauté, donc parfait pour le blush. C'est trop cool, on a des pinceaux poudre. Là regardez celui-ci, ça va être un pinceau poudre. Des petits pinceaux pour faire le crayon là, le creux ici en bas. Enfin le creux, le ras de cils plutôt, pas le creux, n'importe quoi. Donc, je vais les nettoyer et puis je vous en reparlerai. Je vais les mettre dans ma petite routine pour le matin. Ouais, ils sont trop beaux en tout cas, je les trouve très beaux hein. Je vous le montre, mais je les trouve très beaux. Dans mon dernier Titi Vlog, je vous montre un colis que j'ai reçu d'une abonnée d'une marque bretonne. Une abonnée qui a voulu me partager vraiment sa passion pour ces produits-là, qui est la marque Makibelle. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Je vous ai tout montré dans mon Titi Vlog. C'est que des soins, voilà, naturels, bio et bretons. Donc, je voulais vous faire un petit clin d'œil ici. Je vais pas tout vous remontrer parce que c'est juste trop bien le colis qu'elle m'a fait. Elle m'a mis, voilà, un galet de rasage. Elle m'a mis des petits sabots. Regardez, avec le petit symbole breton. Elle m'a mis du lait ribot et blé noir, du lait comme ça, du savon au lait. Ça sent tellement bon. Un petit démaquillant comme ça, waterproof. Donc toujours la marque bretonne. Plein de choses en tout cas à tester. Et je voulais vous faire un clin d'œil là. Je vous mettrai la vidéo Titi Vlog si ça vous dit d'aller voir tout le détail. Mais et elle m'a mis un mot surtout adorable. Donc merci Jennifer. Si tu passes par ici, elle m'a fait... voilà, j'ai trop hâte de glisser tout ça dans ma petite routine, faire découvrir à mes enfants, parce qu'elle a mis des savons au charbon, des petits trucs que voilà, on peut utiliser avec les enfants. Elle m'a mis une petite bougie aussi à l'intérieur, un petit gommage, enfin bon. De quoi faire un petit kiff avec que des produits bretons, donc trop cool. Je vous montre quand même la petite bougie. Elle est comme ça, un peu tradie, comme ça, avec les petits pots de la laitière un peu. Oh là là. Alors c'est la fleur d'oranger, mais ça sent tellement différent. Il y a une petite touche de un peu la lessive à la fleur d'oranger. Ouais, c'est ça. Ça sent trop bon. Je vous mettrai du coup le site dans la barre d'infos si vous voulez découvrir cette petite marque bretonne.
J'ai reçu des produits de la marque Ana Luisa. Alors, vous êtes nombreuses à me poser la question, sûrement sur Instagram d'ailleurs. Mais d'où vient ce collier? Et ce collier, vous l'avez vu dans toutes mes vidéos depuis 6 mois, je pense. Le fameux collier avec le petit K comme ça, qui est accroché à mon cou depuis que je l'ai. Et qui n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Il est trop bien. Parfait. Il a survécu à toutes les douches, à tout, à la piscine, à tout. Il n'a pas bougé. Et du coup, bah enfin, je vous en reparle aujourd'hui dans cette vidéo. D'ailleurs, sachez que des big promos arrivent au mois de janvier sur la marque Ana Luisa. Je vous ai toujours mis le lien de ce collier en barre d'infos parce que vous êtes nombreuses à me poser la question sur Instagram. Du coup, là, je vous en reparle et je vous montre la petite sélection que Ana Luisa m'a envoyée. Donc, je ne suis pas payée pour en parler, mais voilà, ils m'ont envoyé quelques petits produits. Ils sont trop adorables. Et quand j'ai vu la qualité de ce collier, je peux vous dire que je me suis dit, je suis obligée de re-choisir des petits produits parce que la qualité est, encore une fois, dingue. J'ai aussi des petites boucles d'oreilles que j'ai mis longtemps. J'en ai mis à ma fille. Bon, elle en a perdu une, j'étais juste dégoûtée. Mais voilà, ça tourne entre moi et ma fille et la qualité est juste au top. Et ce collier, c'est un coup de cœur, vraiment un coup de cœur. Donc ils m'ont envoyé 4 petits produits, j'avais fait une petite sélection et voilà, c'est la petite surprise. J'ai découvert déjà aujourd'hui que j'avais reçu ces petites boucles d'oreilles là et je les trouve canon. J'aimerais bien remettre des petits pendants un petit peu parce que moi j'ai tendance à mettre des toutes petites boucles d'oreilles un peu puces là. Et j'aimerais bien remettre ce style là. Donc je suis trop contente qu'ils m'en aient envoyé. Je vais les glisser je pense dès ce soir sur mes oreilles. Ça va être parfait pour les vacances et elles sont canon. Évidemment, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos si vous voulez craquer. Mais sachez qu'au mois de janvier, des big promos arrivent. Et moi, je dois avoir un code à vous partager. Donc, je vous mets tout dans la barre d'infos pour compléter tout ça si vous voulez me faire un cadeau ou si vous voulez craquer vous pendant les soldes. Deuxième petit paquet. Donc, vous avez vu, c'est extrêmement petit en l'envoi. Pas de chichi. Tout arrive nickel dans des petites pochettes comme ça que moi, je trouve très jolies. Et alors, là, je suis trop contente parce que oui, la fille, elle a redemandé le collier qu'elle voulait. Enfin, qu'elle a déjà, hein. Il est là, c'est toujours le même. Donc oui, je l'ai redemandé, mais cette fois-ci, c'est pas pour moi. Ce sera pour ma poupette d'amour. C'est pour ma fille, oui. Je voulais qu'elle aussi, elle ait son petit cadeau de Noël. Et je suis sûre qu'elle va être trop ravie d'avoir le même collier que maman. Donc je suis trop contente. Vraiment, merci à la marque, c'est trop adorable. Troisième petit pochon, on a un petit bracelet tout fin. Il est extrêmement raffiné. Il est très beau, très léger. Je suis impressionnée. Avec des petites billes comme ça, tout le long. Donc comme ça, il va pas tourner sans cesse. Il va rester autour de mon poignet sans trop bouger. Je vais le mettre dès ce soir aussi, encore une fois. J'ai demandé à mon mari de me le mettre sur mon poignet. Et je pense qu'il ne bougera pas. Parce que quand je vois ce collier, il n'a pas bougé. Alors que je me suis douchée, j'étais à la piscine et tout. Je me dis que le bracelet ne va pas bouger non plus. Donc la qualité est folle. Et le dernier petit pochon, je vous montre. Et voilà. Et oui, j'ai demandé la version O parce que mes enfants et mon mari commencent par un O. Moi et ma fille et mon dernier fils, on commence par un K au niveau des prénoms. Et mon mari et mon deuxième fils, ils commencent par un O. Donc je me suis dit que voilà, je devais aussi porter le petit O de la famille. Comme ça, il y a le K de Karine, Kayla et Kezia. Et il y a le O de Oran et Osofi. Je suis trop contente en tout cas de vous partager ce petit colis là parce que c'est vraiment un coup de cœur cette marque et je vais zioter, je peux vous le dire, au mois de janvier avec les sacrés promos qui va se passer. Je crois qu'il y a du moins 70% sur le site qui arrive. Je peux vous dire que je vais être au rendez-vous. Je vais vous montrer après mes achats Sephora Gold qui se sont passés en ligne cette fois-ci puisque c'était tout en ligne. Mais avant, je voulais vous montrer le colis de Elsa. Elsa, c'est une maîtresse du Nord que j'ai pu rencontrer une fois à la rencontre Team PE du Nord et qui est adorable, vraiment. On a beaucoup papoté déjà avant sur Instagram, mais là, se rencontrer, c'était vraiment top. Et elle m'a envoyé un petit colis. Alors à la base, elle devait juste m'envoyer une enveloppe avec une carte cadeau. Et voilà, je sais pas ce qui s'est passé, mais elle m'a envoyé un petit colis. Et en plus, c'est emballé en mode un petit peu swap. La coquine. Donc, je voulais ouvrir avec vous en vidéo parce que je me dis que bah voilà, ça va lui faire plaisir. Elle verra mes réactions en direct. Et puis, moi, ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Elle m'a fait une superbe carte comme ça, regardez. Elle est trop belle. Merry Christmas. Avec un petit mot. Elle m'explique qu'elle m'a envoyé des petites choses que j'aurai en backup. Avec un petit livre de lecture pour mes vacances. Donc, trop adorable. Merci, ma petite Elsa. Elle est d'un grand soutien sur Instagram. Elle m'a envoyé des petits messages de temps en temps. Mais vraiment, c'est extrêmement touchant. J'adore.
Et donc, elle m'a envoyé ça. À la base, celui que je t'ai promis, c'est logiquement la carte cadeau MAC qu'elle a eue dans une box. Je ne sais plus si c'est la Blissime, je pense. Et elle, elle ne va pas chez MAC, elle n'a pas de magasin pas loin chez elle. Et bon, bref, elle voulait partager ça avec moi. Donc, sa petite, la petite carte cadeau comme ça de 15€ chez MAC, donc trop adorable. Merci, 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 merci. Parce que du coup, ça va me donner envie d'aller chez MAC et d'aller craquouiller. Donc, c'est trop adorable. Je vois dans le colis des petites gourmandises. Elle me connaît bien. Des petits, des mini Reese's. Et sache que dans mon dernier swap, j'ai eu des Reese's. Et ce sont mes enfants qui ont quasi tout mangé, les malins. Donc, je suis contente d'en avoir d'autres pour que là, ça sera moi avec mon petit thé du soir. Ma petite gourmandise du soir. Et merci. Deux paquets, c'est juste dingue. Oh, elle m'a mis un petit baume pour les lèvres. Ça, j'adore. J'en ai partout. Partout, partout. Là, c'est de la marque Sienne ou Sion. C'est le classique baume pour les lèvres qui hydrate et protège. Celui-ci, j'ai jamais testé. Donc, très, très sympa. Il est assorti à mes ongles, hein, d'ailleurs. Mais ouais, ça, c'est trop cool. Je vais pouvoir tester. Elle m'a mis des petits masques pour les yeux de... Je ne sais pas si c'est chez Action. Je ne sais pas. En tout cas, ils sont trop mignons comme ça, des petits masques pour hydrater le contour des yeux. À garder 20 minutes quand même, donc en mode peut-être dans le bain ou en mode repos, à faire une petite sieste dans le salon quand les enfants dorment. Ça peut être pas mal. Et elle m'a mis d'autres choses comme ça qui sont emballées comme des cadeaux. Elle a abusé. En plus, trop beau son petit papier cadeau. Vraiment trop trop beau. Utile pour tes vacances, celui de seconde main que je t'avais promis. Alors, un petit livre de seconde main en très bon état. Elle m'a dit dans sa petite carte que c'était en bon état. Et alors, ah oui, ah oui, attends. Mais non. Oui, t'es trop adorable. J'avais complètement zappé. C'est un livre pour un petit futé comme ça. Vous savez, les petits livres guides quand on part en vacances pour San Francisco. Alors, oui, on doit partir aux États-Unis, mais je vous avoue que notre voyage, même si j'ai essayé d'économiser, je vous en parle dans mes vidéos économie, notre voyage, c'est faire toute la côte ouest américaine, Los Angeles, San Francisco, Las Vegas et tout ça avec nos enfants. Mais c'est, en fait, l'avion coûte plus de 5 000 € pour nous 5 et... On voulait partir cet été, enfin l'été qui arrive là, mais ça va être chaud. Ça va être chaud parce que même si j'ai économisé un petit peu, j'ai pas économisé 10 000 € pour partir en voyage pour l'instant. Donc si on part par là, on partira l'année d'après, mais... Bah donc j'ai ça, je vais avoir que ça en tête quoi. Ça va me booster pour aller là-bas encore plus, c'est horrible. Mais c'est trop adorable, je suis trop contente. Il date de 2017, mais bon, il y a des choses qui changent pas, hein. C'est trop bien. Merci, 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 merci. Deuxième petit cadeau, comme ceci, elle a mis celui que j'espère que tu n'as pas encore. Alors, je ne sais pas. Ah non, je ne l'ai pas prise. Je l'ai vue à Action, c'est une palette de maquillage, mais je ne l'ai pas prise. Je ne l'ai pas prise, pourtant je l'ai regardée. Hein. Je me suis dit, ah, elle est pas mal et tout. Mais trop cool, je vais pouvoir la tester. Donc c'est une palette Max Factor, je crois. Est-ce que j'ai arrivé à ce qu'elle a ? Donc ouais, c'est ça. Hein. Non, c'est pas Max Factor, c'est Fab Factor. Et c'est une palette comme ça. Vous avez trois étages, je crois. Alors attendez, dans quel sens ça marche? Voilà, comme ça. Donc un premier, un deuxième et un troisième comme ça avec des teints. Et je vous avoue que celui-là qui me donnait vraiment envie, c'est celui-ci. Les teintes sont très sympas après. J'ai hâte de tester du coup. Il y a dans la deuxième, c'est dans les tons rosés. La première, c'est plus nude orangé. Et l'idée du package comme ça, très sympa. Donc je l'ai pas prise, mais j'ai failli. Et le dernier cadeau, qui est ma foi très gros, celui avec des produits divers et une série. Une série? Ah, disons que j'en ai tous une. Ah! Non mais t'es trop folle, j'adore. Elle m'a mis dans la trousse Friends. Mais non, j'adore. J'adore. J'ai pas du tout la trousse du coup, je l'avais pas. Et moi je suis fan de Friends. Oh, elle m'a mis des petits chocolats. Mais il y a encore des trucs dedans quoi, elle abuse. Elle m'a mis une petite encre à lèvres comme ça. Je sais pas comment dire la marque. Cette marque là, je ne sais jamais la dire à chaque fois. Donc trop cool, des petits bonbons. Oui, je pense que c'est des produits que peut-être qu'elle a eu dans des box et ça ne l'intéresse pas. Et du coup c'est pour ça qu'elle m'a dit que potentiellement je pouvais les avoir déjà, puisque je reçois parfois les box. Et il y a le gommage comme ça de chez Patika. Moi j'adore Patika, donc je suis trop contente d'avoir le gommage en double. C'est pas grave parce que j'ai pas encore testé le premier, mais du coup il va aller direct dans ma salle de bain. Un petit vernis comme ça de chez Catrice. Oh, il est trop beau. Stronger Nails, comme ça, une sorte de marron un peu bordeaux. Et je ne l'ai pas du tout celui-ci. Et une crème pour le corps au pain d'épices que j'ai déjà eu dans une box, mais que j'ai pas testé encore. Du coup, là, c'est le moment de la tester. Ça sent bon, ça sent bon. Mais ouais, je vais l'ouvrir prochainement dès que j'ai fini ma petite crème. Là, elle est sur la fin.
Donc, trop adorable, merci Elsa. Merci, t'étais pas du tout obligée de m'envoyer tout ça. Hein. Tu abuses. Mais merci du fond du cœur. Je crois que cette vidéo va être encore extrêmement, extrêmement longue. Oui, je suis désolée. J'ai reçu un colis de la marque Good Molecules. Et oui, j'en ai extrêmement entendu parler. C'est des soins pour le visage qui sont avec une composition assez particulière. Et en plus de ça, ils m'ont demandé un peu mon type de peau pour vraiment matcher un max avec ma peau. C'est trop adorable. Donc merci à la marque, hein, parce que oui, ils m'ont contacté. Une marque américaine comme ça, c'est trop adorable. Et ils disent genre on voit la différence sur votre peau après utilisation, donc je vous en parlerai. Le colis est extrêmement bien soigné, je trouve. Il est arrivé en un super état, tout est bien protégé. Et alors ils m'ont envoyé toute une petite routine pour prendre soin de ma petite peau. Et c'est une marque, sachez-le, qui est trop chez Ulta, hein, si vous êtes au Canada ou aux États-Unis, voilà, sachez-le. En tout cas, je suis trop contente. Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé? Ils m'ont envoyé un super peptide sérum, donc un sérum pour le visage. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je suis une grande, grande fan des sérums. Il se présente comme ça, en petite pipette, pour la peau tout à fait simple, avec une petite étiquette assez basique, vraiment très, très bien. Ensuite, on a un autre sérum, donc qui n'est pas au peptide, mais celui-là à l'acide hyaluronique. Pareil, vraiment cool. Et d'ailleurs, derrière, il y a des petites indications à chaque fois, quand vous pouvez l'utiliser, quelle étape utiliser. Regardez, hein, je vous montre. Ici, il y a les étapes, hein, à quel moment l'utiliser correctement. Et celui-ci, bah, forcément, il est avant l'hydratation. Là, ils n'ont pas mis les étapes, tiens. Donc celui-ci, c'est le même, c'est un sérum hein, aussi, mais à base d'acide hyaluronique. Et je pense que c'est celui-ci que je vais tester en premier. Ensuite, on a un toner. Et ça, c'est trop cool. Et comme je vous ai dit, j'aime beaucoup aussi les toners. Ça se présente comme ça, toujours le même style d'étiquette. C'est un gros pot, dis donc, c'est en verre et tout, c'est hyper solide. Et à base de niacinamide, vitamine C, arbutin, qui apporte brillance et hydratation à la peau et resserre les pores de la peau. Donc très très intéressant. Et le dernier petit produit que j'ai reçu de la marque Good Molecules, c'est un primer sans silicone, tiens. Un primer hydratant. Ah, c'est un tout petit primer, hein. Regardez-moi ça. Le packaging, très, très sympa. Donc c'est un primer à base de beurre de karité, de macadamia aussi. Sans silicone, hein, du coup. Sympa. Bah, écoutez, trop contente. Je vais pouvoir tester pour la première fois de ma vie la marque Good Molecules. Je sais pas si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais trop contente de pouvoir tester aussi. Alors comme vous voyez, hein, j'ai beaucoup de produits à tester au niveau de mon soin du visage, mais je les utilise énormément parce que moi, je les utilise matin et soir et ça se vide extrêmement vite. J'ai reçu My Little Box depuis au moins 3 semaines et j'ai toujours pas ouvert. Donc on va l'ouvrir ensemble parce que là, j'en ai marre qu'elle attende comme ça. Et voici la présentation de la My Little Box. Oups, je l'ouvre à l'envers. Elle est trop jolie. Tout l'intérieur de la boîte est superbe et on a une espèce de trousse qui est canon. Regardez-moi ça déjà la boîte. Derrière, il y a des trucs intéressants. Les étoiles sont éclairées pour que chacun puisse un jour retrouver la sienne, le petit prince. Trop trop mignon, je garde. La boîte est trop trop belle. Non mais ça, c'est l'idée du siècle pour Noël, quoi. J'aurais dû l'ouvrir avant. Non mais je vous jure. Hop, on ouvre ensemble le petit pochon. Oh là là. Elle est trop belle la boîte, j'adore. En fait, c'est une boîte à bijoux. Vous pouvez mettre vos petits bijoux et ici accrocher vos bagues. Ou... Ah ouais, mais c'est canon. C'est canon. Le pochon a l'air blindé. Et on a un produit Pixie. Et c'est justement le produit que j'utilise en ce moment. Mon fameux tonique en ce moment, c'est celui-ci qui arrive au bout. Donc ça, c'est un must-have pour moi. En backup, c'est parfait. Je vois qu'on a une poudre. Qu'est-ce que c'est? De chez... Ah non, c'est un fard à joues de chez My Little Box. Mais c'est trop bien. Ah, oh, j'adore la couleur. Mais il est trop trop beau. Donc on a une petite boîte avec à l'intérieur une paire de boucles d'oreilles. Hop. Ah bah, hé, regardez. Tout à fait mon style et j'ai failli prendre ce genre de bout d'oreille là sur le site Analyza, je vous promets. Mais je crois que je les ai mis, je pense, dans le lot des 10 bouts d'oreilles. Alors là, je suis super contente aussi d'avoir ce style de petite bout d'oreille. Ah, elle est canon cette... Mais elle est canon cette box là. On a un produit du rouge français. Alors qu'est-ce que c'est? Ah, c'est peut-être un gloss pour les... Ah non, je crois que c'était un gloss pour les lèvres, mais ouais. Non. Il y a un QR code, donc je pense que c'est peut-être, si je ne me trompe pas, un produit qui fait un petit peu pousser les cils. Dans notre pochon, le dernier produit est juste canon, c'est un rouge à lèvres de chez Estée Lauder.
En plus, la couleur, elle a l'air canon. C'est un mat. Le 333. Oh, produit de luxe. Et waouh, j'adore. Oh là 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 là. C'est une sorte d'oranger un peu rouge. Hein. J'aurais pu le mettre aujourd'hui, je pense. Il m'aurait bien plu sur les lèvres aujourd'hui. Je suis trop contente. Un beau produit, une belle box. Elle est canon. Donc j'ai toujours une réduction pour vous sur My Little Box de moins 3 ou moins 5 euros. Non, moins 5 euros, je crois. C'est Karine 5. Je vous mets tout dans la barre d'infos. De toute façon, si ça vous intéresse. Mais la box du mois de décembre, c'est la box à prendre, je trouve. On passe à la Beautiful Box. Regardez. Elle est trop belle aussi pour le mois de décembre. Aux couleurs de Noël, côté rouge, côté bleu, comme ça. Et ils l'ont appelée l'étincelante de Noël. Elle est hyper grosse, hyper chargée. Ça a l'air bien, bien lourd. Donc, comme d'habitude, vous avez le petit menu. Il y a plein d'odeurs à l'intérieur. Les petites cartes. Et là, on a un petit fichier comme ça avec fidélité. Quand vous cumulez des points, vous avez des petits cadeaux. Oh, on nous a mis une bougie au pain d'épices. Miel. Non, pas pain d'épices, n'importe quoi. Je vous dis des bêtises, pas au pain d'épices. Miel, épices, bougie parfumée de Noël de la marque Rose la Lune. Trop cool. Ça, c'est une super idée pour une box de fin d'année aussi. Oh, elle est trop belle en plus. Elle est toute mimi comme ça pour une table de Noël. Ça sent bon. Alors, ça sent pas fort les épices, la cannelle, tout ça. Oubliez, ça ne sent pas fort comme ça. C'est une odeur toute douce. Je pense que c'est le miel qui donne ce côté tout doux, légèrement sucré. Ça a l'air très sympa, donc ça va être trop trop bien pour les vacances là. On a un mascara noir pur by Valeria comme ça. Et il est dans les deux côtés, un peu comme le mascara de chez Huda pour le style. Hop, alors attendez, ah, ça s'ouvre comme ça. Donc ce côté là c'est une brosse siliconée. Et l'autre côté, c'est un... alors il y a un primer d'après ce que j'ai compris, non? Ah ouais, c'est ça. Un primer et de l'autre côté le mascara. Alors ça je vais le glisser tout de suite dans ma routine, parce qu'en ce moment le mascara que j'utilise, je suis pas hyper conquise. Et là, comme il y a un primer et le mascara en même temps noir, ça me plaît. On a un sérum biphasé cheveux velours de la marque Biorgam. Effectivement, à l'intérieur, il y a trois huiles à l'intérieur, mais on voit qu'il y a des nacres. Ça a l'air super bien. Ça servira à tout ce qui est huile pour les cheveux, j'utilise très régulièrement. On a une crème visage évanescente qui nourrit, lisse et prépare les visages. Hein. Ça s'appelle la Nouvelle Art Formulatoire Paris 1840. Je vous avoue que le packaging ne me donne pas envie. Hein. Clairement, ça ne me donne pas envie pour le visage. Mais bon, pourquoi pas. Hein. Elle dit « Sa formule soyeuse et nacrée nourrit intensément votre visage avant de s'évanouir sous un fin voile de douceur. » Bon, la description me donne envie quand même. Donc on verra. Et le dernier produit, un petit parfum. Et la box de Noël aussi, canon. Ah non, je vous dis c'est le dernier, mais non. Il y a deux produits encore. Donc là, on a un petit parfum comme ça, en petite miniature de 10 ml. Le numéro 25, étoile de Noël, collection Prestige. Je ne connais pas du tout cette marque. Alors, je pourrais pas vous dire ce que ça sent, j'arrive pas à... Ça sent bon, mais j'arrive pas à vous décrire. C'est pas du tout le genre de parfum que j'ai l'habitude de sentir. Ça m'intrigue. Il faut que je teste sur ma peau. Parce que ça m'intrigue énormément. Je peux pas vous dire si j'aime ou pas. Je n'arrive pas à définir l'odeur que je ressens. C'est bizarre. Et pour finir, on a un masque visage nuit, soin hebdomadaire, appliqué le soir avant de dormir, au beurre de karité, bio, texture crème onctueuse, qui apporte du confort de la marque Eden Dream, comme ça. Donc je ne connais pas encore une fois cette marque. On va regarder si c'est ouvert. Ça sent rien. Soit c'est mon nez qui marche plus là, mais non, ça sent rien. Écoutez, ça va servir. J'ai beaucoup de petites sécheresses, donc ça va permettre d'hydrater un max ma peau. Bah écoutez, je ne peux pas choisir entre les deux box, mais je les aime beaucoup toutes les deux. Je les trouve très sympas pour la fin d'année. On est assez gâtés. J'ai reçu une dernière chose et je voulais vous faire un petit clin d'œil ici, c'est rapide, de la marque, une marque que j'aime beaucoup, de thé et d'infusion. Hop, j'ai reçu un petit colis comme ça avec 4 petites infusions. C'est la marque Provence Dantan. Ils ont 3 marques différentes. Il y a Provence Dantan qui fait des infusions et des thés. Et il y a aussi Renom Nature. Et là, ils m'ont envoyé toutes leurs infusions de Noël. Et je suis trop contente parce qu'ils proposent aussi de les faire gagner sur mon Instagram. Donc, je vous invite à aller découvrir mon Instagram si vous voulez gagner toute la collection de cette marque-là. Si vous êtes fan, voilà, d'infusions de Noël, tout
C'est trop beau. Je vous montre. Paf, il y a 4 paquets. Est-ce que j'ai assez de mains? Voilà. Est-ce que j'y arrive? Oui. On a la version cacao et épices magiques, la verte. Pomme enchantée. En plus, j'adore les noms. C'est tout à fait mon univers. Orange et cannelle gingembre divine. Et celle-ci, Mary Spice. Donc, un peu, voilà, préparation style vin chaud. Donc, trop bien. Je vous en reparlerai dans mes vlogs et sur Instagram parce que je vais tester très prochainement. Et on arrive au bout. Là, j'ai craqué chez Pat McGrath pour le Black Friday. Il y avait une offre de dingue. Vous l'avez sûrement vu passer sur les réseaux, sur YouTube. Hein. Et du coup, évidemment, j'ai craqué hein, parce que les palettes, au lieu d'être 139 euros ou... Ouais, je sais plus à combien elles sont maintenant, mais entre 125 et 140 euros, les grandes palettes, elles sont passées à 70 euros. Donc je me suis fait un petit cadeau de Noël en avance, donc là c'est mes cadeaux hein, pour moi, je vous précise. Je me suis fait un petit kiff et j'ai eu un petit produit offert. Et évidemment dans cette vidéo, je vais vous faire un petit concours à l'intérieur où vous pourrez gagner du Pat McGrath. Oui, oui, oui. Et je suis trop contente. Donc déjà j'ai craqué pour cette palette là, oui, la fameuse Mothership 10, c'est la dernière qui est sortie dans cette collection là, puisque j'en ai acheté une sur Vinted, je vous l'avais montré dans ma dernière vidéo comme ça, craquage, et j'ai adoré. Du coup, je voulais trop en avoir une autre, et oui celle-ci je crois que c'est la 10, bref, j'adore. Celle-ci d'ailleurs je trouve que le packaging est très beau. Et les couleurs à l'intérieur sont canon. Alors j'ai hâte de les tester parce que comme ça c'est beau. Vous savez c'est ces boîtes là. Trop belles. Voilà l'harmonie et ces couleurs là. Oh là 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 là, ils ont l'air divines. Évidemment comme ça, ça paye pas de mine. Mais je vous jure qu'en vrai elles sont canon. Et alors sur les yeux, la dernière fois j'ai été conquise par la palette que j'ai achetée comme ça sur Vinted. J'ai adoré l'utiliser dans mon quotidien. Et du coup je me suis... C'est pour ça que j'ai craqué pour en avoir une deuxième, surtout quasi à moitié prix. Il y avait des offres de dingue. J'ai pris du coup une autre palette, c'est la Celestial Nirvana. Ça, c'est la collection de Noël. Et en fait, elle est arrivée dans le colis, mais emballée. Hein. Il protège plutôt bien quand même. J'ai eu aucune casse. La voici. Donc moi, j'ai toutes les collections Noël, mais je ne comprends pas. Les collections Noël, on dirait ils font des formats tout le temps différents. Et c'est un truc qui me stresse. Elles ont 3 tailles différentes, je crois, si je vérifie. Ça me stresse, en tout cas rose comme ça, bling, hein, ça envoie du lourd. À l'intérieur, c'est un grand miroir, elle s'ouvre tout le temps comme ça, celle de Noël. Et l'harmonie, ma foi, elle est pas mal. Je suis un peu moins conquise par celle de Noël par rapport aux grosses palettes comme celle de tout à l'heure. Mais j'avais envie de me faire une idée sur celle-ci. Il n'y a pas beaucoup de lumineux, je trouve, hein, mais écoutez, on va la tester. Elle est en tout cas très belle. J'ai choisi un petit blush parce que celui que j'ai aussi commandé sur Vinted, j'en suis trop amoureuse, je l'adore. Donc toujours dans un petit packaging trop mignon, hein, ça se présente comme ça les envois. C'est vrai que c'est du luxe, hein. On va pas mentir, c'est du luxe Pat McGrath. Que ce soit dans le prix mais dans la présentation, c'est canon. En revanche, j'ai trop dur à ouvrir, j'arrive jamais à les ouvrir ces blushs. J'ai pris la teinte Aphrodite Amour qui est une teinte un peu plus claire que celle que j'ai déjà. Elle est en deux couleurs, je sais pas si vous arriverez à voir, un plus fuchsia ici et une couleur plus douce ici. Bon, j'ai hâte de la tester, un peu plus pêche rosée celui-ci, donc trop bien. Dans ma commande, j'ai reçu du coup une palette quad comme ça, et je crois que je l'ai déjà, je vais vérifier. Mais c'est la palette... C'est la palette Cyber Bronze, je pense, ouais, ça doit être ça. Du coup, je vous la montre, mais je ne vais pas l'utiliser puisque je voudrais vous la faire gagner dans ce concours. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que comme ça, vous ferez partie des élus. Et ça vous permettra de tester une palette Pat McGrath. Donc, je ne l'ai pas du tout utilisée. Là, il y a un petit accro, mais c'était déjà comme ça. Donc, je vous donnerai un petit mot magique pour participer au concours et pouvoir laisser des petits commentaires. Vous pourrez laisser le temps de commentaires que vous voulez pour tenter votre chance. Et peut-être mettre le commentaire bronze. Ouais, pourquoi pas, mettez le petit commentaire bronze si vous avez tenu jusque là et que cette palette vous donne envie, que vous voulez gagner encore une fois la palette. Évidemment, je ne vais pas donner que la palette, hein. Je vais envoyer avec d'autres petites choses en complément, un petit mascara, des petites choses pour se faire plaisir. Sinon, moi j'ai craqué sur le site aussi pour le liner, si je ne me trompe pas, parce que je l'adore, le liner liquide de chez Pat McGrath est un de mes préférés. Il n'y a pas d'ouverture facile, mais c'est un liner tout simple noir et il est canon au niveau du pinceau, je l'aime beaucoup. Je l'ai encore, d'ailleurs ça fait un an que je l'ai et je l'utilise encore sans problème. Je sens que là il commence à sécher un tout petit peu, mais il est encore utilisable, donc c'est pour vous dire qu'il a une longue, il dure hyper longtemps.
J'ai eu le mascara aussi avec, c'était un duo en fait, le liner et le mascara. Le mascara, je l'avais en miniature et je l'ai adoré. Du coup, je l'ai, là comme c'était un duo, bah, je l'ai pris ensemble. C'est le mascara Dark Star Mascara, donc étoile sombre, et en version extreme black. Et je l'avais adoré en miniature, je l'avais vraiment adoré, c'est une grosse brosse, donc là je l'ouvre pas tout de suite, mais c'est une grosse brosse qui est très très bien, surtout pour les tout petits cils comme moi. Et pour finir, j'ai pris un petit rouge à lèvres qui est une sorte de gloss, je crois. Ouais, je crois que c'est la collection de Noël, si je me trompe pas. C'est le Nude Awakening. Et c'est la collection métallique lipstick rouge à lèvres. Ah oui, c'est un beau métallique, hein. Il est canon, hein. Oh là là, il est trop trop beau. Je pensais que c'était un gloss, mais non. Non, non, c'est un vrai métallique rouge à lèvres. Trop beau, trop beau, trop beau, trop beau. Ça, c'est pour ma commande Bat McGrath Black Friday. J'ai bien craqué, mais c'est aussi mon cadeau du coup de Noël. Je vais rien m'acheter d'autre pour Noël. Parce que là, j'ai de quoi tester. Bon, la fille, elle dit qu'elle n'achètera rien d'autre pour Noël, mais elle a fait quand même une petite commande gold. J'ai commandé le cadeau de Noël de mon mari. Je lui ai pris un coffret, je vais vous montrer. Et puis moi, je me suis commandé trois petites choses. Le cadeau, il est là. Je vais l'emballer juste après, mais je voulais vous montrer. Je lui ai pris un gros coffret comme ça de chez Biotherm pour les hommes, avec une crème pour le visage. Alors, il connaît pas cette gamme-là. D'habitude, je prends Clarins Homme. Mais là, je me suis dit, pourquoi pas tester autre chose. Et je trouvais que le packaging était trop beau. Bon, après lui, je sais qu'il s'en fiche complètement, mais voilà, c'était pour lui offrir un beau petit cadeau. Et là, il y a une crème pour les hommes en full size, un gel douche et une petite crème mousse à raser. Bon, la mousse à raser, je suis pas sûre qu'il l'utilise, mais on verra. En tout cas, il pourra l'utiliser. Et je vais aller lui acheter d'autres choses pour compléter. Je voudrais lui trouver une super crème pour les mains version homme. Je sais pas, je vais voir. J'ai des petites idées, mais maintenant, faut que je complète ça. Maintenant que je suis en vacances, je vais pouvoir avoir un petit peu plus de temps. En tout cas, premier cadeau pour mon mari, c'est... J'ai fait trois commandes du coup sur le site Sephora Gold lors du Weekend Gold. Il y a pas eu de... On pouvait pas aller en magasin, on fallait commander en ligne simplement. Je fais trois commandes parce qu'il y a des choses que j'hésitais. Du coup, j'ai pas pris, puis après j'ai pris après. Donc voilà. Et puis comme ça, j'avais trois fois les cadeaux Gold, hein, je vais pas vous mentir. J'ai gratté. Et pour une fois, les cadeaux Gold sont très 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 bien. Donc, ma première commande, j'ai pris donc le cadeau pour ma mari et je me suis pris ça. Le fameux melted comme ça des fêtes qui est parfum épices de citrouille. Moi j'aime beaucoup beaucoup les melted comme ça qui sortent pour l'automne et la fin d'année. Et du coup je ne peux pas résister à l'acheter. Il s'appelle PSL. Alors je pense que ça veut dire pumpkin, smell like pumpkin spice. Et il se présente comme ça avec la petite boisson au pumpkin là. Il est canon aussi, canon, canon, canon. Bon là on est dans le... Oh là là, l'odeur. L'odeur, je vous dis pas. On est dans le même style d'odeur, hein, et on est dans le même style de couleur là. Total look de l'automne là. Je me suis pris un parfum Kayali, donc ça c'est dans une deuxième commande. Je vous montrerai tous les cadeaux à la fin, mais dans ma deuxième commande, je me suis pris le parfum Kayali qui est le Love Fest. Moi j'ai déjà le vanille basique que j'ai déjà terminé, oui, et j'ai gardé la bouteille parce qu'ils sont juste canons, leur packaging et les bouteilles. Et du coup, j'en voulais un nouveau dans ma collection, le Love Fest Burning Sherry. Qui est à la cerise. Écoutez, je suis assez épatée. Je m'attendais pas à ça. C'est une odeur. Ouais, je m'y attendais pas. C'est vraiment pas le genre d'odeur que j'ai dans mes parfums. Je vous avoue que je l'avais même pas senti avant, donc c'était un peu la surprise. Mais j'aime bien. C'est un côté un peu chaleureux et femme, et en même temps le sucre du fruit de la cerise. Je pourrais pas vous décrire mieux que ça, mais je le trouve encore une fois canon et je suis pas déçue de l'avoir pris parce que les parfums Kayali, je les adore, mais le vanille à coco par exemple, j'arrive pas à me l'acheter parce qu'à chaque fois il est hors de prix, il est plus en 50 ml, il est toujours en 100 et en 100 ml et il coûte super cher, donc je l'avais acheté à ma copine Lily, mais moi j'attends encore pour me l'acheter quand je pourrai trouver une belle offre. Pour finir, je me suis pris un petit kit de Huda, qui est un nouveau kit. Moi, je pourrais dire que c'est plutôt un kit d'été ou de printemps, mais bon, elle l'a sorti là. Donc, c'est ce petit packaging, comme ça, avec un petit porte-clés pour accrocher à son sac à main. Et à l'intérieur, donc c'est le Cherry Blossom Lip. Donc, ça fait vraiment très printanier. Mais deux full size à l'intérieur, c'était une trentaine d'euros. Et il y avait un baume pour les lèvres, et moi, j'aime beaucoup les baumes pour les lèvres. Donc, il y avait une couleur. Vous avez un rouge à lèvres sans transfert, comme ça, qui est la teinte Lucky 04. Et le petit baume à lèvres qui est le Cherry Blossom. C'est vraiment un petit kit, je trouve, parfait. On va les swatcher. Et c'est vrai qu'il me donnait bien envie l'encre à lèvres, là.
Et beaucoup parlent des baumes de chez Huda en disant qu'ils sont géniaux. Donc écoutez, ça sera l'occasion de tester. Mais le petit kit, trop mignon. Il est trop mignon, d'accord. Je vous montre le duo là. La fameuse encre à lèvres et le petit baume qui est basique. Hein, mais moi j'aime beaucoup beaucoup les baumes à lèvres comme ça pour mettre tous les matins. Donc j'ai craqué pour le petit kit. J'ai été faible. Évidemment tout ça avec l'offre Gold. Du coup j'ai eu une réduction de moins 25% sur tous mes achats. Et j'ai eu des petits échantillons et des petits cadeaux. Donc je vous montre ça. Bon les échantillons je vous les montre pas. Mais j'ai eu donc 3 paquets Gold comme ça. Et ils sont canons hein. Cette année les petits les cadeaux Gold ils sont canons. Je suis choquée. Donc dans un premier pochon j'ai eu 4 produits comme ça. On a un lip injection de Too Faced. Je suis trop trop contente d'en avoir un tout neuf là comme ça, tout beau. On a un petit produit de Laneige qui est un sérum je crois, un gel hydratant à l'acide hyaluronique. On a un produit comme ça de chez Anastasia Beverly, c'est un petit crayon pour les sourcils. Et ça c'est trop bien en miniature quoi, en plus c'est ma teinte, medium brown. Et on a un rouge à lèvres métallisé et celui-ci c'est une teinte de fou. C'est le Indigo Weirdo, le 126, c'est une sorte de bleu violet. Donc pour des maquillages un peu artistiques, c'est trop canon, je suis trop contente. Le deuxième pochon. Et les pochons, ils sont trop beaux. Vraiment là, pour une fois, c'est pour un, vous avez géré grave. J'ai encore eu le petit crayon sourcil comme ça, toujours en même teinte. Donc ça, c'est très très bien pour emmener en vacances. Le petit gel comme ça, hydratant de chez Laneige. Évidemment, il y a des petites choses que je vous mettrai dans le concours. Un petit soin Moroccan Oil comme ça pour tout type de cheveux. C'est une petite huile pour les cheveux. Et un crayon... Enfin, un rouge à lèvres sans transfert, métallisé, comme ça, de chez Sephora. Et c'est le numéro 113, cette fois-ci, Desert Rose, qui ressemble un peu à celui-ci, je pense. C'est dans le même style. Et le dernier pochon, là, il y a la petite touche finale que je suis trop, trop contente d'avoir reçue. Okay. On a re-eu encore la petite huile. Donc, il y en aura forcément une pour vous, une petite huile Moroccan Oil. Un rouge à lèvres, comme ça, de chez Sephora, une teinte exactement dans ces teintes-là, un peu marronnée, comme ça. C'est la teinte, c'est un rouge mat Sephora MA05 Miss Me. On a eu le petit spray pour le visage de chez Mario Balesco comme ça. Donc ça c'est un beau format en plus, c'est trop cool en 29 ml. Et un petit rouge à lèvres mini de chez Pat McGrath. Et c'est un rouge, c'est le Elson. Et moi je l'ai pas celui-ci, je suis trop contente. Il est trop beau, il est trop beau, il est trop beau. Et j'adore les mini rouges à lèvres. Donc vraiment les cadeaux Gold. Oh top. Voilà pour tous mes achats et tout mon unboxing. Là, j'ai vidé tous mes colis. J'espère que ça vous aura plu cette vidéo. C'est abusé, je suis désolée, elle est longue. Mais n'oubliez pas de mettre dans le commentaire le mot bronze si vous voulez gagner vous aussi la palette Pat McGrath. Et si vous voulez recevoir un petit lot concours comme ça, un petit lot avec une palette, un petit soin, un petit mascara, un petit truc. Voilà, je vous mettrai plein de petites choses pour vous gâter, pour vous faire plaisir pour cette nouvelle année 2023. Cette vidéo sera un petit peu avant, mais comme ça, le temps que j'envoie le colis, ça sera votre cadeau de début d'année pour 2023. Donc, j'espère que ça vous fait plaisir. N'hésitez pas, évidemment, si vous participez au concours, à liker cette vidéo, à vous abonner et à laisser un maximum de commentaires avec le mot bronze. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite. Salut !